Bien bonjour, c'est Gena. Je me suis trouvé mollasson dans l'épisode précédent, et ben sachez que dans cet épisode, ça va être la même. Parce qu'en fait, je viens de réaliser que j'ai pas mangé. Voilà, j'ai oublié, c'est bon, hein? C'est pas quelque chose d'indispensable pour le corps humain, quoi. Bon, manger, c'est un peu inutile. Alors, peut-être la fin de Tomb Raider, je ne sais pas, vous savez, moi je ne sais pas. Peut-être que vous savez, peut-être que c'est écrit dans le titre, juste au-dessus, fin. mais moi je sais pas, la toute 7, je sais pas, on verra bien. Tu as peu de temps devant toi, Lara. Tu dois atteindre la source avant eux. Tu ne peux rien faire de plus pour m'aider. Va te mettre en lieu sûr. Pas question. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. On survit ensemble, ou on meurt seul. Allez, vas-y. Ok. D'accord. Mais t'as dit, moi je voulais fouiller et tout, comme ça. Ah c'est mieux qu'il me semblait, ça se casse. Ah, il nous laisse quand même un peu la possibilité de foutre la merde. Pas du tout. Ça s'accroche à quoi, ça? Faut que je l'accroche au bout. Quoi? Mais... Ah non. Non, ça c'est pour faire Tarzan. Ok. Mais tu veux que... Mais putain, ça s'accroche à quoi, cette merde? Bon, j'en sais rien, ça m'a saoulé. Bon, allez, on va là-bas. Youpla! Youpla boom! Boom, baby! Je sais pas où... Dans quelle direction se situe la suite et la fin de cette aventure, hein. On va voir. Un relief en bois sculpté, oh. Représentant sans doute le prophète de Kitej. Il est très usé et abîmé. Ce bois ne vient pas d'ici. Il vient d'ici et là. La notoriété du prophète a dû s'étendre. Bon, en même temps, si le mec est immortel, il avait tout son temps pour se faire connaître, hein. Non, parce que bon, il faut bien le dire. Hein. Oh, j'aime bien les effets de reflets comme ça quand même. Ici, il y a quoi? Il y a une porte qui ne s'ouvre pas. Ok, là, elle n'est pas mise en surbrillance par notre instinct de survie, donc à mon avis... Ah, va pas dans le feu, toi. À mon avis, c'est inutile. Hop là. Je veux juste aller... Parce que ça m'embête très fortement. Aller lire cette plaque. Oh, si tu me dis que je peux pas... Je veux pas être bien. Ah, cette si, c'est fresque bon. Rend hommage aux cette fresque. Et aux victimes de la maladie et de la faim. Bah, je vais bientôt être une victime de la faim aussi, je t'avoue. Ah, mais ça aussi, ça se casse. Vas-y, fais tout péter. Ah, ça se brûle. Je sais pas, je... Non plus. Bah, c'est... on fait quoi avec ça? On est saoulant, là. On peut pas l'exploser, on peut pas le brûler. Non mais vous voulez que je fasse Tarzan puis le haut. C'est obligé. Non mais ça tu voulais que je l'attache à quoi? Putain je peux l'attacher à rien, c'est chiant. Bon c'est pas grave. Allez on remonte. On va faire Tarzan. Oh. C'est peut-être même pas par là la suite, je m'en fiche. Ça va mieux. Ah bah c'est pour ça. C'est parce qu'il faut la détruire depuis l'arrière. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux d'où j'explique. Oula, c'est peut-être pas le moment de mourir quand même. C'est vrai qu'il y a un codex qui nous avait donné la compétence de monter plus vite avec les piolets. C'est quand même plus agréable. Parce qu'au début, c'était quand même vachement long. Salut, toi, t'es jolie. Qu'est-ce que... Comment, pourquoi? En encore, tu veux que j'aille là-bas, moi? On peut aller là? Y'a quoi ici? Il faut que j'atteigne le sommet de la tour. Oui. Mais cette glace me barre la route. Oh putain, c'est vrai qu'on est sous terre, nous. J'avais oublié. Eh, mais attends. Ah mais c'est pour ça. Oh ouais. Oh. Oh
Ouais, non, je m'attendais pas. Ok. Ok. Attends, on va voir. On va déjà se mettre là-dessus. Voilà. Peut-être un peu loin, ça. Là. Ouais. Ah, nickel. Ça met un petit symbole vert quand on peut. Ah ouais, là ça va être... Non, c'est bon, nickel. Oh là là là, c'est beau. Y'a un méchant? Non, c'est bon. Non, ils sont sympas. Pas de méchants. Mais c'est là d'où l'on vient? Non, pas du tout. C'est quoi tout ce bordel là-bas? C'est quand même beau, tout ça. C'est quand même beau, hein. Attends, il y avait pas un truc à ramasser? Pas du tout, il y avait rien du tout. Très bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Quelque chose me barre la route. Ouais. Il doit y avoir un moyen de la dégager. Attends, déjà, je vais allumer le machin, là-bas. C'est quoi ce gros truc, là? Faut lier à quelque chose, cette corde? On verra. Déjà, ça. Lui, on va lui péter ça. Quelque chose me barre la route. Ouais, d'où l'utilité de ce machin, en fait. Mais c'est ultra relou, ça. Je peux pas utiliser mon arc? Non, attends. Ah, mais je sais. Ça vous permet d'aller là. Oh. Calme-toi. Un petit peu. Faut pas déconner non plus. Voilà. Ok. Hop là, on revient. Ouais, petit bug, hein, petit bug. J'avoue tout. Pardon, je pète un câble. Voilà. Nickel. Et bien sûr que ça a marché. Bien sûr, tu en doutais? Tu doutais de moi? Oh. Oh, vrai, ça. Bon, avant de péter la porte, laisse-moi un petit peu allumer le dernier feu. Ah, je suis content. C'est un feu de joie. Qu'y a-t-il là-bas? La pop-porte. Qui s'est la gueule à la pop-porte? Ah, trop. Ah, oh, c'est beau. Ah, ah merde. Vous faites chier quand même. J'aurais su, je vous aurais pété la gueule avant. Ah, ok. Ok, ok. Bon, ok. Je voulais pas en arriver à cette extrémité, mais... Ah, mais... Ok. T'es chiant. T'es vraiment chiant, toi, là-bas. Donc, je vais me rapprocher, hein. Attention, attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va faire très très mal. On va leur péter à la gueule, ça va être trop bien. Hop là. Alors toi, faut que je te tire, relis pimpon, sur le chihuahua. Ok. Y'a pas d'autres... Non, non, c'est pas l'air. Allons-y. Ça sert à quoi de péter la glace parce qu'on a nos piolets? On peut très bien y aller dessus comme ça. Bon, c'est cool, ça permet de mettre une nouvelle feature avec les grosses bouboules dorées là qui permettent de les balancer contre la glace pour les faire exploser. Je comprends le truc, c'est cool. Ça fait varier un peu le gameplay, mais... J'étais emmerdé là. Je savais pas trop quoi faire. J'étais emmerdé, si. Y a encore des... Ah ouais, mais mon gars... Waouh. Ok. Oh, désolé, mais bon... À bout d'un moment, tu m'as saoulé, quoi. C'est bon, quoi. Vas-y, tu m'as saoulé, quoi. Ah, ça, c'est cool, par contre. Ça, si j'ai compris ce qu'ils veulent qu'on fasse avec.
Ah bah non, il y a pas la boule jaune de l'autre côté. Oh. Comment faire du coup? Ah non, si, attends. Si, mais ça c'est bloqué ça. Si c'est bloqué, et en fait, à mon avis, ce qu'ils veulent, c'est qu'on se balance avec. Non? Ok. Plus haut. Pas du tout. Plus haut. Il doit y avoir quelque chose. Ah, mais laisse-moi. Ok. Donc, faut trouver un contrepoids mettant à ce machin. Ça sert à rien qu'on aille au trébuchet. De toute façon, on peut pas l'utiliser dans l'immédiat. Vous avez bien compris que le mécanique se mettait bouché. Mettait bloqué, du moins. Y a quoi là? Pourquoi est-ce qu'on a la possibilité d'aller plus haut? Allez plus haut. Allez plus haut. Oh, 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 c'est beau. Oh, oh. Non, attends, juste. C'est vrai que c'est des textures lointaines, donc c'est facile de faire des trucs qui ont un bon rendu. Mais c'est beau, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, j'aime bien, c'est sympa. Alors, on va faire contrepoids. On va faire contrepoids. C'est moi qui dois faire contrepoids là ou quoi? Attends, parce que là moi je grimpe par où là? Casser les gueules ici. Non, non, mais je vais vraiment me casser les gueules. Sérieux? C'est pas pour rire là. Il y a une corde ici. Non, mais je vais pas pouvoir. C'était quoi ça? Il y avait un truc là. Ah non, c'était du minerai. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bête quelque part hein? Bien compris qu'il faut monter sur cette tour, mais. Mais ça ne va pas. Peut-être qu'il faut interagir quand même avec le. Avec le trébuche-bûche. Que ça débloque quelque chose. Les soldats mongols ont dû se retrouver enterrés dans la glace avant de pouvoir atteindre le cœur de la cité. Donc là, on va essayer de l'utiliser. Ça va être bloqué par la glace, voilà. Ces mécanismes gelés me compliquent la tâche. Donc... Ah, bah oui, parce qu'en fait, il faut passer par le... Par en haut. Voilà, voilà. Ah bah heureusement que je me suis pas suicidé contre la tour. Ça aurait été quand même ballot. Ah d'accord, et d'où l'utilité? Attends, deux secondes, je suis assez proche? Non, pas du tout. Voilà, là je suis assez proche. Ok. Ok, ok. Allez. Et donc là, tu veux que... Bon, déjà que je le fasse descendre, donc on va le tirer par là. Allez, viens à moi. Voilà. Et toi? Pourquoi t'as de la corde? Tu veux que je le lie à quelque chose? Tu veux que je le lie à quoi? Il faut que je le lie à quelque chose, je pense. Non! Ah non! Mais ta mère, je voulais pas appuyer sur ce bouton, fais chier! Mais c'est dingue ça! J'arrive pas avec ce bouton, c'est vraiment un bouton de con. Ça m'emmerde. Ok, tu veux que je lise... Non. Bah non. Comprends pas. Je sais, je suis débile, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, mais du coup, tu m'as foutu là, mais ça me... Ça m'est pas très utile. Je dois faire un tour complet, quoi. Oh, non, non, je me suis suicidé. Non, mais vas-y, mais ta merde. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vas être bloqué contre la glace, donc faut vraiment faire un tour complet. Faut vraiment lui faire un tour complet. Un tour complet. Allez, c'est parti. Bon, on va arrêter de sauter dans le vide, hein, parce que bon. Sans aucune raison, je suis un gros con. Allez, c'est parti, on fait des tours. On fait des tours quand on croit que c'est terminé, c'est pas terminé. Allez, vas-y. Hein? Tu te fous de ma gueule?
Hein? Ah. Ça a actionné quoi, ça? Je sais pas ce que ça actionnait, mais ça actionnait quelque chose. Ok, donc maintenant, remets-toi au bon endroit. Ah, c'est con que je puisse pas y sauter par là. Faut remonter. Faut remonter. Remonter, remonter tout. Remonter. Attends. Mais du coup, il y a trop d'eau? Non? C'est... Non? Il y a que moi qui pense qu'il y a trop d'eau, du coup, dedans? Attendez. Attendez, attendez. Trop haut. Bah ouais, ouais, je vois ça, ouais. Ah mais du coup, toi, t'es comme une conne là-dessus. Et ça se vide? Avec son petit mécanisme qu'il y avait sur le côté? C'est ça... C'est à ça que ça servait? Il a l'air de descendre encore, malgré le fait que je l'ai fermé. Bon, c'est pas grave. Nickel. Ok, bah c'est cool. Oui, ça a marché. Voilà. Non, c'est cool. Bon, si j'arrêtais de me suicider dans le vide sans aucune putain de raison, ça aurait été beaucoup plus agréable. Ah mon dieu, des méchants. Ah ouais, putain, et puis... pas mal nombreux, quoi. Les archers, faut que je m'en débarrasse. Reste avisé avec ce truc. Ah d'accord, ah, tu veux juste que je leur pète la gueule quoi. Hop. Ah j'en ai loupé un. Tant pis. Ah non, ça les tue quand même tous. Très bien. La 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 la. Ya 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 ya. Par contre, ce qui est un peu embêtant quand même, un peu dommage, c'est que dans le précédent volet, à la fin, on combattait aussi une ancienne... d'anciens membres d'une ancienne civilisation. Bon, j'ai envie de dire, t'es Lara Croft, t'es une archéologue, forcément, si tu vas tomber contre des anciennes civilisations, si tu veux faire quelque chose d'un peu fantaisiste. Mais j'aurais bien aimé qu'ils trouvent quand même un truc... truc différent, parce que là c'est vraiment la même chose que dans l'épisode précédent au final. C'est un peu embêtant. Détruisez la porte. Ah, allez, c'est parti. On va lui casser sa gueule. Allez. Allez, allez, allez. On va tout faire péter. Ça fait combien de temps, moi? Bon, ça fait pas si longtemps que ça. On peut encore filmer. Waouh. Ça fait loin quand même. Mais ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Et ça casse. Nickel. Beaucoup la manière dont se désagrège le bois avec le feu comme ça. Bon, c'est scripté, hein, c'est okay. Complètement scripté, mais bon, c'est cool. La voie est libre. Oui. Donc, il faut passer par là-bas. Je suis pute. Allez, dis-moi que j'ai raison quand même. Allez, dis-moi. Là, il y a tout qui se casse la gueule. Pas du tout. Il y a tout qui tient. Et puis c'est tout. Donc on doit refaire tout le chemin inverse. Très bien, il n'y a pas de problème. Non mais attends, mais là je vais faire quoi là sur ce mur? T'es gentil mais... Ah ok. Ok ok, j'ai cru qu'il voulait qu'on descende. Mais pas du tout. Wow, c'est quoi ça? Il y a encore des trébuchets... Oh merde, pardon, j'avais pas vu. Il y a encore des trébuchets de l'autre côté? Wow wow wow. Wow, wow, wow. Ah ouais, il me canarde en fait. J'avais pas vu. Tu peux dégager s'il te plaît, merci. Wow. Mais pourquoi? Des fois ça me marche. Enfin l'autofocus quand je zoome en chargeant une flèche, des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est un peu emmerdant quand même. Là ça a marché par exemple. Par contre, tu m'emmerdes.
Voilà. Pendant qu'il y avait un feu grégeois juste au-dessus, j'aurais pu l'utiliser. Ok. Alors là, ça ressemble vraiment à une scène de fin de bataille. Fin de jeu. Donc je pense que ça doit vraiment être la fin. T'as un truc là, une corde pour l'attacher, non? Ah, mais d'accord, du coup, c'est ça. Ok. Je comprends mieux. Putain, j'ai le nez qui me gratte depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Allez, hop, j'ai un couteau. Ok. Le mec, il disparaît. Bon, ben... pas de problème, on va faire comme ça, hein. Y a pas de souci. Bon allez, on se prépare à avoir encore une grosse scène d'action avec plein d'ennemis. C'est pas forcément les moments que je préfère dans le jeu, c'est peut-être même les moments que qui m'intéressent pas du tout. Bon, le trébuchet qui va péter le pont petit à petit, voilà, la base, hop. Ouh! Non! Yeah! Ouh! Tu peux encore. Ah, ça c'est bien fait! Ah, j'adore! Comme c'est. Oh! Ah bah oui! Oui! Vous avez bien compris ce que nous allons faire ici. Le tuer! Voilà. Je peux le tuer lui. Non. Allez hop. Le gros fight, ça c'est le gros fight, hein, qu'on se le dise. Voilà. Il y en avait un autre, je le vois pas. Je le vois plus du moins. Ah, tu es là. Voilà. Oh merde. Sans déconner. J'avais pas remarqué. Y'a quoi là, y'a rien non? Si, y'a un fou. Eh, vous savez quoi? Ça bat les couilles. Est-ce que je continue? Faudrait que je coupe ici parce que la vidéo serait lourde. Elle va être lourde. Mais ça coupe complètement le rythme, c'est con. Est-ce que je fais une grosse vidéo parce que ça a l'air d'être vraiment la fin quoi cette fois? J'ai deux points à placer. Oh lui, vous savez quoi? Ah non, mais j'ai plein de points en fait à placer. Ah bah oui. Ouais. J'ai des points à placer. Bon, on est content de placer plein de points. Tant pis pour les armes, c'est pas très utile les améliorations qu'on nous propose. Allez, c'est pas grave. Je coupe pas le rythme. On continue. Hop là, j'espère que. Je vais pas trop le regretter de faire une vidéo qui pèse 10 milliards de kilos. Ok. Alors ça, c'est une grosse connerie. Ok, je savais pas du tout qu'il fallait partir dans ce sens. Du coup, je me suis dit que le jeu avait prévu qu'il y ait suffisamment de distance, mais pas du tout. Ils en ont rien eu à branler. Ok, c'est parti. The Bardzé. Ça va être bien. Non, faut pas que je dise ça comme ça, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, là. Ouais. Mais j'aurai jamais assez de distance, hein. Ah si, c'est bon. Et puis large, hein. Non mais vous êtes encore en train de tirer avec vos trébuchets, là. Il y a des hélicoptères, au pire, vous avez d'autres cibles actuellement. Non mais laissez-moi tranquille, bon Dieu. Vous voyez bien que c'est la merde. Putain. Laissez-moi. Ok. Ah, ça c'est cool.
Vous me permettez un passage, visiblement. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, j'ai rien dit. Donc c'est pas si cool que ça. Ah, j'ai pas pu faire mon double saut sur le mur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas cool, ça. La statue qui se pète la gueule ou pas? Non? Oh, ah, si. Quand même. Quand même, quand même. Faut pas déconner non plus. Comme ça... Ce portail... Est-ce qu'on va recroiser Constantin et Anna? Non, parce que bon... C'est pas des méchants que j'apprécie, hein, qu'on se le dise. Mais bon, ils sont quand même déjà plus intéressants que les immortels. Les immortels, bon... Et pas foufou s'il y a pas foufou avec Flash. Hein? Ouais, non, non, mais c'est bon, je... Merci bien, je... Je connais, y a pas de problème, hein. Si je suis arrivé jusque-là, c'est bien que je l'utilise, ton machin. Voyons donc. Oh! Oh oh! Quelle distance de saut! J'assais, là? Ah, j'assais. Et comme quoi. Allez, hop! On compte... Oh, de Dieu! Calmez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Soyez un peu plus sympathique. Oh oh! Oh oh oh! Pas mal, pas mal. Nickel. Ben, vous l'utilisez beaucoup, ces flèches, dis donc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est pas non plus la feature de gameplay le plus intéressant. Peut-être pour faire genre, vous voyez, c'est la fin du jeu, hein, voilà, vous utilisez quelque chose que vous avez mis très longtemps avant d'acquérir. Ouais. C'est pas faux. Ça, ces trucs, c'est quand même bien rigolo à utiliser. Hop là. C'est vrai que le jeu, quand même, propose une grande variété d'accessoires pour grimper, hein. Ça, c'est cool, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut pas, au pire, améliorer quelque chose, le fusil à pompe était améliorable au niveau de quoi? Stabilité de recul, vitesse de rechargement, allez hop, amphi, je prends, paf, ici on a quoi? On a ça, je prends, allez, on est content, et c'est très bien comme ça, voilà, tac. Madrienne. Ouh là là, eh ben là on a de la grimpette à faire. Alors, combien de rochers vont se casser la gueule? 1, 2, 3, 4... Oula, beaucoup. Globalement. Allez hop, c'est parti. Oh, ils se cassent tous la gueule. Oh, ça, j'apprécie. Ça a tout cassé, non? Si, peut-être. Oh bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas chez toi, normalement, tu prends pas les escaliers? Mais pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Oh! Eh ben, vous montez? Eh ben alors? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Mais prenez les escaliers, c'est pas possible, ça! Vous êtes chez vous, quand même. Voyons donc. Oh, c'est beau, ça, quand même. C'est pas dégueu. Ouh. La glace, comme ça, qui part en petits morceaux. C'est très scripté, c'est vrai, hein, qu'on se le dise. Mais je m'en fous, c'est beau, c'est dynamique. Non, franchement, c'est sympa. Mais pour... Ils s'entretuent ou quoi, là? C'était un trinitaire, hein, j'avais pas capté. Oh. Ça c'est bien, ça. Ça c'est bien. Bon, arrive ce que je voulais qu'il arrive depuis un moment. J'ai pas fait attention que j'ai lâché. Alors là, c'est totalement my bad, j'ai pas fait attention. Mince. Ok.
Ah d'accord, en fait fallait sur le côté, moi je voulais grimper, ok. Bon, my bad, j'ai mal observé. Si vrai. Mais pourquoi tu vas vraiment tout en haut de cette tour, c'est pas très utile ça. Je comprends pas pourquoi nous allons là. Pour sauter sur l'autre bâtiment, c'est ça? Oh là là, un ennemi m'a attrapé ma botte. Que dois-je faire? Ah oui, il faudrait viser la tête, mais bon, t'es gentil. Ouais. Je vous dis pas comment ça bougeait le machin. C'est-à-dire que je bougeais même pas la souris, hein. Mon curseur il faisait comme ça tout seul. Hein. Et ça c'est beau. Bah voilà, arrive ce qu'on voulait qui arrive depuis le début, qui se foutent sur la gueule. Laissez-nous tranquille, bon Dieu. Anna. Non mais genre, putain. En même temps, les immortels sont tout pourris, hein. Même nous, toutes seules, ouais, toutes seules, parce qu'on incarne Lara Croft, on arrive à se démerder. Lara, baisse-toi ! Sophia, où es-tu ? Eh, hey, elle m'a piqué mon trébuchet ! Je te vois, Lara. On va faire tout ce qu'on peut pour te soutenir d'ici. Merci, Sophia. J'ai besoin de toute l'aide possible. Et lui, il a un casque, c'est relou. Il est peut-être pas mort, là. Oula. Oula. Ouais. J'y galère pas mal. C'est de la merde, j'ai des baisses de putain de framerate à la con. Ah. Da-da-di-da-da. C'est vrai que ça s'indique pas quand on a plus de balles dans le chargeur. Wow. Trop marrant, je t'avais pas vu toi. Putain mais qu'est-ce que c'est chiant. Quoi, faut que je me soigne, t'es sérieux? Bon allez, vas-y, soigne-toi. Fais pas yinche. Ouais, la petite musique qui veut un peu... Oh là, je suis une bataille de folie. Ouais. Ouais, c'est une bataille de folie, t'as raison. Ok. On ramasse un max de conneries. On prend une radio. Ne vous inquiétez pas, la radio, ça va tout faire. Lara, il faut que tu te mettes à l'abri. On est sur le point de tirer et tu es très exposé. Je peux pas faire demi-tour. J'y suis presque. Faut que j'aille vous. Coup de pied au cul. Dommage. Oh oh. Vous m'avez presque tué là avec vos... Ah ok. Oh, ça c'était cool par contre. Je dis pas. Ok. On essaye de se concentrer un peu. Ah mais non. Vous avez mouru? Comment vous sentez-vous? Quel est votre ressenti? Comment trouvez-vous votre voyage? Comment le noteriez-vous? Sur une note de 1 à 10. Tiens. Aïe. Aïe. Oh. Non, esquive. Non, pas taper. Ah, non, mais bon Dieu. Ah, j'ai trouvé l'esquive, tiens, pour une fois. C'est cool, ça. Oh, je l'ai pas vu, toi. Ça fait longtemps que t'es ici. Aïe, attends. Mais putain de ta mère, l'esquive fonctionne une fois sur 12. Et 12, c'est pas beaucoup. Bah, faut... Attends. Ok. Moi, j'ai pas le temps d'esquive. Faut prévoir. Faut que je prévois trop tôt et je me jette dans le feu. Je vais mourir. Bah, j'ai... Ah, c'était pas F. Ok, autant pour moi. My bad, c'était pas F.
Non, non, mais j'ai appuyé sur le bouton. Bah, le bouton d'à côté, comme un gros con que je suis. Putain, mais c'est ouf. Ouais, je confirme, c'est vraiment des phases de merde. Hein. On se fait chier. Oh, mais... Je sais que c'est mal texturé le jeu, donc... On va pas s'amuser à tirer quand t'as un bout de crâne qui dépasse, sinon la balle va se taper la caisse. On a déjà eu l'exemple plusieurs fois durant l'aventure avec des flèches qui viennent se planter dans le vide. Dans le vide, vide, vide. Et vous avez tous des casques, vous êtes ultra relous. Non, t'as fait péter le machin, je le gardais pour le bouclier. Oh mais... Bon Dieu. Esquive, c'est quoi? Ça me choule. C'est pas ça, c'est pas ce bouton, c'est pas ce bouton. Hop, je m'embrouille avec les boutons, c'est un plaisir. Oui, j'adore. Hop là. Hop là. Non. Eh ben non. Ta-ta-ta. Ah bah voilà. Ah, ils sont très très chiants, ces ennemis. Oh waouh. Pourquoi c'est passé à 2 FPS, là, tout à coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci, Sophia. Bien visé. Bien visé, elle tire au pif. Tout à l'heure, elle a failli te buter, connasse. Voyons donc. Oh, mais putain que c'est de la merde, cette phase. Aïe, aïe, aïe. Ah, juste, c'est ça que j'aime pas, c'est que... Pour faire un grand final, ils y arrivent jamais. Ils veulent tout le temps faire un truc spectaculaire, donc ils te mettent 50 000 ennemis. Ce qui fait la force du jeu, je trouve, c'est pas du tout des gunfights, quoi. C'est pas du tout l'action. Point de non-retour. Point de non-retour. La vidéo fait 1 milliard de kilos. Elle fait 1 milliard! Je suis obligé de couper. Je pensais pas que ça serait si long. Je pensais vraiment pas que ça serait si long. Donc on va cut ici. Et on verra. On verra. Bah, de toute façon, je vais enregistrer juste après, je pense. Parce que ça sera vraiment la fin, là. J'espère tout de même. Faut pas pousser non plus. Donc on va faire une pause. Pour se retrouver pour la vraie fin, je pense, parce que là c'est non-retour. Les cadavres piégés, on s'en fout. Vas-y, multibombe, allez hop. Voilà, voilà. Ok. Donc, vous savez quoi? Coupure. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la vraie dernière vidéo. Celle-ci, je vais. Oh, je vais. Oh, je vais mourir quand je vais l'uploader, celle-ci, par contre. Ok. Donc, c'était Guilla42. Je vous dis à demain, 16h, pour la fin, la vraie fin. La fin de Plante à Fin. Adieu.